l'invitation. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va expérimenter un nouveau format, alors qui n'est pas non plus révolutionnaire, n'exagérons rien. Nouveau format qui va consister à faire une lecture suivie, donc c'est en réalité une sorte de vlog mais orienté autour d'un seul livre, puisque hier je me suis acheté ce livre qui est donc Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, traduit par André Markowitz et Françoise Morvan. Ce livre, c'est donc une nouvelle traduction d'un livre que pour ma part j'adore. Ça fait partie, avec Les Misérables, de mes livres préférés. C'est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois. Et donc là, j'ai été ravie de voir qu'il avait été retraduit en plus par André Markowitz, qui est un des grands traducteurs du russe en France. Voilà. Et du coup, je me suis légèrement précipitée en librairie pour me l'acheter, ce qui fait que je me retrouve avec un format neuf qui vient de sortir, ce qui ne m'est quasiment jamais arrivé en réalité. Et bien évidemment, non seulement je me suis précipitée pour l'acheter, mais je l'ai commencé juste après, donc c'est ma lecture en cours depuis hier. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de vous emmener avec moi dans cette relecture du Maître et Marguerite, parce que c'est un livre qui est génialissime, qui compte beaucoup pour moi, comme je l'ai déjà évoqué juste avant, et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire cette petite vidéo sur ma relecture du Maître et Marguerite. Toujours dans le cadre de ce vlog lecture suivie sur Le Maître et Marguerite, puisque j'ai dépassé la page 200, ça y est. Alors même si ça n'est pas vraiment une surprise, c'est pour l'instant une très bonne lecture, et je vais profiter de ce petit point dans le cadre de ce vlog pour vous faire très rapidement un résumé. En fait, Le Maître et Marguerite, c'est un livre qui se développe sur plusieurs strates, et même plus précisément sur trois niveaux différents. Le premier, c'est l'arrivée du diable à Moscou dans les années 30. Le deuxième, c'est l'histoire de Ponce Pilate, et plus précisément le moment où Ponce Pilate condamne, enfin en tout cas valide la condamnation de Jésus à mort, et donc met en place, en œuvre, cette condamnation. Et le troisième niveau, c'est celui qui a donné son titre au roman, puisque c'est l'histoire d'amour entre un maître, un petit peu mystérieux, en tout cas je ne vais pas vous dire exactement qui il est, puisque ça vous le découvrirez si vous lisez Le Maître et Marguerite, et Marguerite, pareil, je ne vais pas vous dire précisément qui est Marguerite, sinon le livre perdrait quand même un petit peu de sa saveur. Et c'est vrai que là, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu fouillis, et ça peut même peut-être ne pas trop donner envie. En tout cas, on a du mal à déterminer ce vers quoi on va tendre, et c'est un petit peu ce qu'est en partie Le Maître et Marguerite. C'est un peu un joyeux fouillis organisé, mais c'est aussi ce qui fait que ce livre est totalement hors du temps, ce livre est totalement hors des cases, hors de toute catégorie. C'est vraiment un livre un petit peu ovniesque, ne serait-ce que dans sa structure, dans sa narration, dans son écriture aussi. Et en ça, cette traduction, pour l'instant en tout cas, puisque je suis à peine à la page 200 sur 500, est une très bonne traduction, permet une entrée dans l'œuvre qui est très naturelle, je trouve. Il y a vraiment un travail, mais c'est fréquent dans les œuvres de traduction d'André Markowitz, il y a vraiment une volonté d'arriver dans la traduction à retrouver une forme de naturel que l'on a dans la langue originale. Alors bien sûr, je ne suis pas capable de comparer par rapport à ce que ça donne en russe, puisque je ne parle pas le russe, bonjour, le chat vient d'arriver, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a une réelle fluidité dans l'écriture, et on sent que c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé, beaucoup cherché au niveau du boulot de traduction. Notamment par exemple le fait des surnoms, le choix a été fait dans le cadre de cette traduction de traduire les surnoms. Au début, moi j'étais pas forcément hyper convaincue par l'idée, en tout cas avant de lire le livre j'étais pas trop convaincue, je me disais ah ouais, ça perd un peu du côté un peu russe, un peu authentique, etc. Mais en ayant commencé le livre, je trouve en fait que c'est une plutôt bonne idée, parce que les surnoms qu'avait pris Bulgakov en russe voulaient dire quelque chose, et donc le fait de les traduire en français, ça permet de parler beaucoup plus au lecteur, à la lectrice francophone, puisque il y a tout un écho qui est créé autour du surnom et autour du fait que le surnom étant en français, on comprend directement ce qu'il veut dire. Donc je trouve que rien que cette idée, elle est assez intéressante, assez innovante, et plutôt différente de ce qu'on peut trouver généralement dans les autres traductions. Donc voilà. Thank you.
Je suis toujours dans ma lecture du Maître et Marguerite, que j'avance bien, même plutôt vite, puisque je suis arrivée à la fin de la première partie, sachant que le livre en compte deux, et que cette première partie fait environ 300 pages, donc j'ai lu 300 pages sur 500 environ. Pour l'instant, c'est toujours une très très bonne lecture, c'est une lecture que je trouve toujours agréable à faire et à refaire. C'est pas la première fois que je relis le Maître et Marguerite, et à chaque fois c'est ce même foisonnement, parce que c'est vraiment un livre qui part dans tous les sens, déjà parce que son histoire est quand même un tout petit peu barrée, aussi parce que c'est un livre qui alterne en permanence avec des éléments de surnaturel, puisque l'élément originel, ce qui lance l'histoire, c'est quand même l'arrivée du diable à Moscou, donc on est clairement dans le surnaturel, mais aussi des éléments qui sont beaucoup plus réalistes, puisque soit des éléments qui sont inspirés de la vie de Bulgakov lui-même, soit des éléments qui visent très clairement à dépeindre le milieu politique de l'époque et le contexte qu'il y avait en Union soviétique, le contexte général en Union soviétique et puis plus précisément le contexte littéraire et artistique. Et donc on a un livre qui est à la fois une réécriture du mythe de Faust et un véritable pamphlet qui vise à dénoncer le système artistique de l'époque et la mainmise totale du pouvoir sur les artistes à l'époque. Et ce qui est assez dingue, c'est de voir comment tous ces éléments qui sont radicalement différents arrivent à se mêler parfaitement et à faire un livre qui, oui, est un peu barré, mais qui est extrêmement agréable à lire. C'est véritablement pour moi un livre univers dans lequel on plonge totalement, qui est très caractéristique. Et ce qui est assez dingue, c'est que pour ma part, donc déjà c'est une relecture, mais c'est pas ma première relecture du Maître Marguerite, c'est la troisième fois que je lis ce roman, et je suis assez sidérée de voir que c'est toujours cette même impression, cette même sensation de plonger totalement dans cette histoire, d'être happée par cet univers et d'être surprise, de ne pas savoir où je vais, alors même que je sais comment l'histoire va se terminer, je sais ce qui va se passer, les chapitres je les connais, les personnages je les connais, et quand même ça me fait toujours cet effet, alors qu'il peut, j'en ai conscience aussi, peut-être déboussoler certains et certaines. Je pense que c'est un livre qui peut être un petit peu compliqué parce qu'on peut être totalement perdu et c'est difficile de savoir où on va jusque très en avant dans le livre, hein. Il se passe quand même bien 200 pages qui sont foisonnantes et qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que si c'est une impression qui peut un petit peu déboussoler et être un petit peu difficile à gérer, c'est en même temps quelque chose qui est très agréable parce que qui est assez rare en fait en littérature, d'avoir encore une fois cette impression de jamais vu. Le fait que chaque page, que chaque personnage, que chaque construction, que chaque chose qui est mise en place est, si ce n'est nouvelle, du moins exploitée d'une manière totalement différente. Et c'est ça que je trouve super avec ce livre. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais le continuer là encore un petit peu ce soir et puis demain. Et je vous reprendrai bientôt. Je vous retrouve une dernière fois dans le cadre de ce vlog sur ma lecture du Maître et Marguerite, puisque je l'ai quasiment terminé, je l'ai pas encore tout à fait terminé, mais presque terminé, il me reste pas beaucoup de pages et j'aurai achevé cette troisième lecture du Maître et Marguerite qui, sans surprise, a été une excellente lecture. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le cadre de ce vlog, le Maître et Marguerite c'est vraiment un livre qui frôle en permanence avec de multiples inspirations, qui est totalement indéfinissable, qui est difficilement catégorisable, et c'est ce qui fait son identité, c'est ce qui fait sa force. Il y a vraiment, ça aussi je l'ai déjà dit, mais je le répète, une forme de foisonnement qui en plus s'amplifie au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de la narration, du roman. On a vraiment une montée en puissance sur tous les aspects, ce qui fait vraiment une expérience de lecture qui est singulière forcément, mais aussi qui est forte, qui est intense, et ça c'était vraiment super. Et en fait, et c'est ce qui rend le fait d'en parler assez difficile, surtout dans le cadre d'un vlog comme ça, que
je fais un petit peu au fur et à mesure, donc sans avoir vraiment cherché ce que j'allais vous dire et sans m'être renseignée pour vous faire un truc super léché, super travaillé. Mais c'est difficile d'arriver à retranscrire tout ce que ce livre apporte, tout ce que ce livre dit, parce que c'est un livre qui dit déjà beaucoup de son auteur, qui dit beaucoup de sa vie, qui dit beaucoup de ses amours, qui dit beaucoup de sa folie, puisque Bulgakov c'était quelqu'un qui était malade, surtout à la fin de sa vie, qui est mort presque fou, et c'est ce qui transparaît dans le texte, à travers les personnages, à travers le style, à travers l'intrigue. C'est aussi un livre qui dit beaucoup de son époque, qui dit beaucoup de son époque dans les détails qu'il va mettre en place, mais aussi dans l'ambiance, et c'est ça qui est assez dingue et que j'ai vraiment perçu là, lors de cette lecture, parce que je trouve qu'il y a presque un côté kafkaïen dans Le Maître et Marguerite, en ce sens que Bulgakov fait vraiment planer sur son histoire une forme de mystère déjà, mais aussi de menace qui est permanente. Il y a vraiment ce sentiment dans Le Maître et Marguerite que le lecteur et que la lectrice sent qu'il y a un danger, que ce danger est là et que ce danger peut survenir n'importe quand, peut toucher n'importe qui, et ça déjà ça crée une ambiance de lecture qui est très particulière mais qui est aussi très immersive, et c'est aussi ce qui nous permet de percevoir en partie ce que c'est de vivre dans un contexte de dictature, c'est-à-dire dans une société dans laquelle on a une justice qui est totalement arbitraire, on a un pouvoir qui est extrêmement puissant, on a une surveillance qui s'exerce sur tous les citoyens, sur toutes les citoyennes, et c'est vraiment ce qui transparaît dans Le Maître et Marguerite. C'est un livre qui, quand on le lit, nous permet de percevoir, ou en tout cas d'entre-apercevoir, et d'entre-apercevoir au sens où c'est quelque chose que l'on ressent, et pas quelque chose que l'on conceptualise, ce que c'est que de vivre dans une société qui est une dictature, et ça c'est vraiment extrêmement fort, c'est vraiment un des points qui est les plus intéressants dans ce livre. Et puis, et c'est ce qui est totalement dingue, c'est qu'à côté de ça, donc à côté de cette ambiance qui peut être très pesante, qui peut nous faire peur, parfois, on a aussi beaucoup d'humour. Le Maître et Marguerite, c'est un livre qui fait rire parce qu'il est très caustique, très ironique, parce qu'il a aussi des personnages qui sont hauts en couleur et qui sont drôles. Et c'est aussi un livre qui travaille beaucoup sur des images. Donc voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, même si je sais que quand je vais regarder ces images pour monter ce vlog, je me rends compte qu'il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé, dont j'aurais dû vous parler. J'espère que ce ne sera pas trop le cas. J'espère aussi que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ce livre qui est pour moi une véritable ovni. C'est un livre qui débarque dans la vie d'un lecteur, dans la vie d'une lectrice, et dont on est marqué. En même temps, tout est fait quand même pour qu'on soit un petit peu marqué par cette lecture. J'espère aussi que cette vidéo, plus généralement, vous aura plu. Et puis j'espère aussi vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut !